lever tes mains vers le ciel. J'aime plonger, c'est certain, leur lumière. Mon regard s'interroge, saisie de la renvoie. Mon esprit s'évade seul, mon corps m'emprisonne. Que pensent ces oiseaux migrateurs? Que pensent-ils là-haut en plein cœur? Mon regard s'interroge, saisi de la renvoie. Mon esprit s'évade seul, mon corps m'emprisonne. Bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Alors, mon nom, c'est Dom Istria, c'est mon nom d'artiste. C'est la contraction de mon nom et mon prénom, Dominique Istria. Et je viens de Corse, exprès pour la fête des Duits et la première fois à Orléans. Vous voilà. Collaborez avec Monsieur Arnaud à Corse aussi? Oui, j'ai commencé à faire des choses avec lui et nous avons des beaux projets ensemble, oui. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va entendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va entendre aujourd'hui? Oui. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Alors aujourd'hui, là, nous sommes dans l'univers musical et poétique. Donc je suis auteur, compositeur, interprète. Et des chansons à texte poétique, chansons à texte français. Mais je peins également. Donc, à l'entrée, vous avez pu voir des dessins entourés avec des fleurs et des gobelets et toute une végétation, une mise en scène de dessins avec cette végétation. Et en fait, c'est leur première mise à jour, leur première arrivée dans le monde des humains, puisqu'en fait, ce sont des dessins qui existent dans un carnet, dans un petit carnet de route. Et donc, ce carnet, il me suit partout. Et en fait, j'ai mis au grand jour ces dessins qu'on peut voir donc un petit peu plus loin, là-bas, sous le sous-bois. Donc là, on est sur le dans l'endroit où donc on avec la musique. Mais en fait, pendant des années, j'ai chanté beaucoup en Corse et aussi sur le continent. Je suis une artiste autodidacte et passionnée et solitaire. Et pour garder cette liberté d'action, pouvoir sortir et rentrer sur l'île. Le plus souvent possible et en tout cas à mon rythme et selon mes envies, donc c'est un choix. Donc je suis voix, guitare, harmonica et je navigue dans cet univers poétique et en fait c'est le public, ce sont les gens, c'est qui m'ont fait prendre conscience qu'en fait mes chansons étaient de la poésie. Parce que moi au départ, je suis passée de la peinture à la musique. Et mes premiers outils en fait de création, c'était la peinture, c'était le pictural, c'était les couleurs, c'était les matières. Et j'étais arrivée à un tournant où j'avais l'impression de tourner en rond.
et presque comme quelque chose de très fort, qui, j'arrivais plus à avancer dans ce que je voulais faire, à exprimer en tout cas ce que je voulais faire. Et la musique est venue en grande dame, elle m'a sauvée, elle m'a ouvert les horizons. Mais en fait, je ne savais jouer d'aucun instrument. Et j'ai énormément travaillé, seule, cherché. Et en fait, les textes, la musique arrivait. Et j'ai travaillé beaucoup, 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 beaucoup. J'ai écrit énormément de textes. Et après, je les ai partagés. Et ça fait de ça maintenant 14 ans. Et pendant 14 ans, je n'ai fait que de la musique. J'avais tellement de travail sur ma propre création. Parce que je suis assez productive, je travaille beaucoup la nuit, le jour, enfin tout le temps, en fait, finalement, en permanence. Et là, en fait, j'arrive à un tournant où le dessin, la peinture, les couleurs, les matières reviennent et tout se mélange. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une première de pouvoir, sur cette île d'Aiguilles, réunir tous ces ingrédients, toute cette poésie, toutes ces envies, toutes ces passions enfin, que j'ai, je peux les mettre au grand jour et les partager avec vous. Donc c'est un grand bonheur pour moi. Est-ce que je peux vous filmer un peu? Oui, bien sûr. Merci. Il y avait un jardin aux mille univers. Je ne me souviens plus très bien, c'était hier. Les hommes lui avaient donné le nom de terre. Aujourd'hui, tout est désert. Regarde au loin, sous tes pieds poussent les vers d'une histoire à refaire et ses mots éphémères. T'aider à comprendre tous ces mystères. Si tu veux ensemble, nous pourrions le refaire. Parler au soleil, le vent. À l'ombre dans l'eau claire des rivières. Sentir l'air enivrant nous briser de ses merveilles. Laisser passer le souffle du vent sans en saisir le sens. Dis-moi si tu lis dans le lit de l'envie, agrandir un épi sur cette terre aride. Toi seul peux me redonner le goût d'y vivre. Oui, je sais, mon enfant, ce dont tu as envie. Courir à travers les forêts, marcher sur la neige blanche en plein hiver. Sous tes doigts l'herbe tendre du mois de mai. Dormir en cas
caresse sur le dos vert de la mer. Vivre un homme libre et fier sur une terre fertile et sèche. Croire que tout est possible sur l'horizon de la vie. Vivre en harmonie et repousser la misère. Je ne me souviens plus très bien, c'était hier. Les hommes lui avaient donné le nom de terre. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous pourrions la refaire. Alors, donc je disais, je vis en Corse et j'ai organisé pendant des années des randonnées, des balades avec les ânes en Corse, sur toute la Corse du Sud. Et à l'époque, je peignais beaucoup, c'était mon expression, avec les pinceaux, les couleurs, les matières, c'était mon moyen d'expression. Et en fait, en marchant aussi beaucoup et en arrivant peut-être au bout de quelque chose, de l'expression picturale, le fait d'être sur une île, de ça il y a presque 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de... il n'y avait pas Internet. J'ai vécu sur une montagne, à la bougie, enfin voilà, d'une façon un peu particulière, un retour au village. Et il n'y avait pas de magasin avec des fournitures, des choses où on pouvait acheter des matières premières, etc. Donc c'était très compliqué. Et en fait, en marchant beaucoup avec tous mes ânes, il y a une espèce d'énergie comme ça qui s'est installée. Et la musique est arrivée. Et les textes sont arrivés. Et sont arrivés dans les tableaux. Petit à petit, ils ont pris possession des tableaux et on remplaçait des visages ou des formes
Ils ont vraiment pris possession. Et donc, ça a été un envoûtement jour et nuit. J'ai énormément. J'écrivais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai écrit beaucoup de textes. Et en même temps, je savais jouer d'aucun instrument. Et j'avais une guitare, en fait, que mon mari m'avait offert il y a très longtemps. Et tout au début, quand on s'est rencontrés. Et cette guitare, en fait, m'a suivie pendant toutes ces années, dans tous ces déménagements. Je n'ai jamais eu le temps de poser les mains dessus. Et en fait, quand est arrivé cette espèce de chamboulement, mes yeux se sont posés sur cette guitare qui était accrochée. J'ai réalisé que cette guitare m'avait suivi pendant des années. Et j'ai pris la guitare, je me suis dit, je vais jouer de la guitare. Et donc j'ai travaillé seul, en autodidacte. J'ai eu la chance de rencontrer un Corse, qui aussi autodidacte et musicien, qui m'a montré les premiers accords. Et comment changer les cordes d'une guitare, donc le béaba. Et après, en fait, je me suis débrouillée toute seule. Et j'ai travaillé, beaucoup, beaucoup. Et sont arrivés tous ces textes et cette mélodie. Et après, cette mise au grand jour, ça fait de ça maintenant 15 ans que je chante en Corse. Et en choisissant d'être seule, en solo, pour avoir le plus de liberté possible, voilà, j'ai choisi d'être solitaire pour pouvoir sortir et venir plus ou moins comme je pouvais. Et j'ai chanté donc beaucoup en Corse, dans les chapelles, dans les églises, petits festivals, grands festivals, un peu partout, même les restaurants, tous les endroits où il était possible de partager. Et ça a été un envoûtement extraordinaire pendant toutes ces années, vraiment une histoire merveilleuse de rencontres et de partage. Et aujourd'hui, Nano, en me proposant de venir pour la première fois sur l'île des Duits, m'a offert cette possibilité finalement de tout lier, puisque un peu plus loin là-bas, il y a mes dessins qui existent dans un petit carnet de route qui me suit partout. Mais comment un petit carnet, tout l'univers d'un carnet, comment le partager, c'est assez compliqué. Et du coup, m'est venue l'idée de les agrandir, de les mettre en scène dans un univers de nature et de poésie. Et là, en fait, du coup, tout se lie. La peinture, la musique. Et votre public, le public peut acheter votre peinture sur Internet aussi? Alors, la musique, il n'y a aucun souci sur mon site officiel, donc domistria.fr. Donc la musique, puisque donc j'ai fait plusieurs albums et un recueil poétique. Donc voilà, ils peuvent acheter en toute sérénité. Et la peinture, je vais commencer c'est la première mise à jour. Et donc je pense que je vais commencer à organiser quelques expositions et peut-être voir comment partager tous ces dessins, tout cet univers. C'est encore tout frais, trop frais pour l'instant. Là, pour l'instant, ils sont là que pour le partage et qu'ils sortent. Ils sortent du carnet, c'est magique. Parce que du coup, ils sortent du carnet, ce carnet qui me suit partout quand je voyage. J'ai eu la chance de pouvoir chanter à Paris, en Bretagne, en Auvergne. Et voilà, pendant toutes ces années, j'ai eu des ponts comme ça, des gens qui m'ont permis de sortir de l'île. Vous êtes née ici ou dans un... Moi, je suis née à Paris. Je suis d'origine bretonne et depuis 20 ans, mon cœur est en Corse. En Corse. Ouais. Et c'est un grand bonheur. Alors, on est... On est à la fête des Duits, sur l'île des Duits, à Orléans. Et là, en fait, je vous emmène, nous avons quitté l'univers poétique et musical, et je vous emmène dans l'univers pictural, un monde imaginaire où... Les personnages, j'invente des personnages en fait, des histoires qui se mêlent à l'univers, à tout ce qui nous entoure. Coucou. Oh, coucou.
Et donc, en fait, c'est une petite mise en scène avec... ce sont des créations qui ont été imaginées en Corse. Et là, en fait, elle voit le jour, toutes ces créations, puisqu'elles existent dans un tout petit carnet. Et je cherchais une façon de les partager, de les montrer. Et voilà, Nanou m'a offert cette possibilité de pouvoir les mettre au grand jour. Avec la végétation et d'Orléans, enfin avec la végétation enfin d'Orléans, de cette île, que je connaissais pas. Voilà, c'est la première fois. C'est la première fois ici. Oui. Ah. Oui. C'est la première fois. Donc c'est une découverte parce que moi j'habite donc en Corse, donc nous sommes entourés, nous sommes sur une île entourée de maquis. Et là en fait c'est une île à l'intérieur de la ville. Oui. Donc c'est complètement, la végétation est différente, c'est complètement différent parce que on est sur une île, donc on est à l'intérieur et en même temps tout autour. Il y a cette vie urbaine où il y a cette vie qui grouille, les voitures, les sirènes. Et là, il y a cet espace à part, au milieu, comme ça. Alors, moi, dans la nature, j'y vis en permanence. Donc, j'en ai besoin. C'est une nécessité. J'ai besoin de cette nature, ça fait des années, j'ai organisé des balades avec les ânes, j'ai des ânes, des chevaux en Corse. Je ne peux pas vivre sans. Donc je suis bien ici. Depuis que je suis arrivée, je n'ai pas quitté l'île. Je n'ai pas quitté l'île. Voilà, c'est ça, c'est ce côté, on vient d'entendre là des motos, on voit les voitures, des immeubles. Gris et puis cette île, voilà, au milieu avec cette végétation qui est très sauvage, un peu sauvage, oui. Voilà, et qui est plus douce que la Corse. Donc je l'ai vite apprivoisé, je suis bien, voilà. Et puis c'est toutes c'est pas des canards, c'est des oies, oui, des oies, voilà, des oies. J'ai vu des ragondins, j'ai vu. Enfin, ce sont d'autres animaux, une autre végétation. Enfin, c'est différent, voilà. Mais en même temps, je me sens. Parce que la terre mère nous porte. Oui. Et moi, j'aime. J'ai besoin d'elle. Comme. Là, on. C'est rentre, votre monde ici. C'est Domistria. Et là, on rentre dans l'univers. Donc pictural. C'est quoi votre matière? Alors donc ça, ce sont des dessins qui existent, les originaux existent dans un petit carnet de route. Et un carnet qui me suit partout. Et donc que j'emmène, voilà, partout. Et là, c'est leur première mise à jour, en fait. Ce carnet n'est connu que des intimes, et encore très très peu. C'est un carnet que je garde en permanence. Et là, du coup, voilà, c'est la première mise à jour de tous ces dessins mis en scène sur le Duit, à l'occasion de la fête des Duits. Voilà. Et je remercie Nano de m'avoir offert cette possibilité de pouvoir mêler, du coup, tout l'univers pictural, l'univers imaginaire, des personnages, plus la musique, tout se rejoint finalement. Et c'est une première finalement. Pour moi, c'est un long chemin de vie artistique et là, en fait, c'est une première où tout se mêle. Donc c'est un grand bonheur pour moi, en plus dans un univers naturel,
Donc c'est une occasion merveilleuse. Voilà. Et c'est vous qui inspire votre art? C'est la mère nature qui m'inspire. La belle femme que je vois, elle ressemble à vous. Ah merci. C'est votre âme, vraiment. C'est très souvent ce qu'on me dit. Moi, je ne me rends pas compte. Je suis... En fait, c'est comme la musique. Je suis quelqu'un d'autodidacte et passionné. Donc, je ne fais que retranscrire ce que j'entends ou ce que j'imagine avec cœur, avec le ventre, avec la passion et le travail. Ça demande aussi beaucoup de travail. Voilà, mais je ne me pose pas plus de questions que ça. Je suis heureuse comme ça, c'est un équilibre. C'est pour ça que Dame Nature... moi, ça fait des années que je vis dedans, sur elle, avec les ânes, avec toute cette vie en Corse que je me suis choisie. Et elle m'est indispensable. Elle nous recale, elle nous recentre. Et je crois que le grand drame à l'heure d'aujourd'hui, c'est cette perte de communication avec Dame Nature, quoi. C'est le grand drame de l'humain. Comment avez-vous choisi Corse? La Corse, c'est d'abord une rencontre avec mon mari depuis de longues, longues années. C'est un retour au village puisque lui est d'origine de maman bretonne et de papa corse. Et ça a été un retour donc au village d'Olmeto, en Corse du Sud. Et donc nous vivions déjà en Bretagne et auparavant à Paris. Moi, je suis née à Paris et d'origine bretonne. Et en fait, en Corse, nous étions venus pour organiser des balades avec les chevaux, des randonnées avec les chevaux. Et finalement, nous avons gardé nos chevaux que nous avons ramenés de Bretagne et nous avons organisé des randonnées avec les ânes sur la Corse du Sud. Et il y a 20 ans de ça maintenant. Et la Corse a beaucoup changé depuis 20 ans. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de guide. Et les parcours pour rejoindre le Maramar ou pour rejoindre donc des sentiers de grande randonnée étaient complètement fermés par la végétation. Donc mes enfants ont vécu à dos d'âne, à dos de poney. Et moi, j'étais beaucoup dans le maquis tout le temps, pendant plusieurs années. Et je crois que ce rythme d'ailleurs, quand la musique est arrivée, je peignais donc beaucoup la nuit aussi parce que les journées étaient très très remplies. Et en fait, j'ai l'impression que le fait de marcher beaucoup, cette espèce de rythme, de cadence, quand est arrivée la musique, sont arrivés les mots, parce que quand on vit en permanence dans la nature, avec des animaux, avec des enfants, et qu'on est vraiment en osmose, il y a des tas d'aventures qui nous arrivent, et des bonnes comme des moins bonnes. Et de là se dégagent des émotions très très fortes. Et je pense que ça aussi, puisqu'il y a eu énormément de textes, j'ai écrit beaucoup de textes et de chansons, en fait. Chaque texte avait sa musicalité. Et je pense que peut-être c'est arrivé aussi avec ce rythme de cadence, de marche. Je marchais beaucoup, 8-9 heures par jour, presque tous les jours. Donc je pense que ça a contribué à la naissance de la musique qui est venue me prendre et m'envoûter. C'était extraordinaire. Et après, donc, j'ai un peu laissé la peinture, ça a été 15 ans de peinture, et puis après 14-15 ans de musique. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, tout est en train de se mêler, de s'entremêler, la peinture, tout l'univers pictural, et la musicalité, la poésie, l'écriture. Et là, je suis même dans l'écriture encore complètement d'autre chose, d'un conte, un conte imaginaire qui va devenir un conte musical, avec Nano d'ailleurs. Et lui a écrit donc toute la musique. Et voilà, et du coup, voilà, ça ouvre d'autres perspectives et d'autres aventures, voilà, à l'infini. La création est à l'infini.
C'est... Et là, c'est un terrain de jeu merveilleux parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a aucune frontière. C'est ça qui est extraordinaire. Et moi, j'étais séduite par ce projet-là, la fête d'Aiduit, sur l'île d'Aiduit, à Orléans. Voilà, c'est un bonheur d'être ici. Alors, en fait, nous avons la chance aujourd'hui d'être dans un endroit merveilleux sur l'île d'Aiduit à Orléans, dans cet espace naturel, sur une île, un nom de terre. Nous avons la chance aujourd'hui d'être, de respirer un bon air, d'avoir de l'eau plus ou moins potable, et une terre qui ne demande qu'à nous nourrir, qui ne demande qu'à nous donner tous ces trésors merveilleux qu'elle a et qu'elle nous donne depuis des décennies. Prenons soin de ce que nous avons et préservons chacun ce que nous avons, choyons les gens que nous avons autour de nous. Donner de l'amour, de la compassion, se poser des questions et en tous les cas de préserver et de comment je pourrais dire oui, d'essayer de donner de l'amour. Le monde se meurt d'amour et on a tous cet amour au fond de nous. Donc Donnons ce que nous avons de meilleur avant que tout s'éteigne, avant que tout devienne noirceur. Et moi, je préfère aller vers la lumière et tendre vers la lumière parce qu'il y a des choses très très belles, encore beaucoup de choses très très belles, même si notre monde va mal. Mais pensons aussi à toutes les choses magnifiques qui nous entourent, à tout ce que nous pouvons préserver pour que la lumière prenne le dessus sur la noirceur et le mauvais. Voilà, nous avons besoin de cet oxygène, nous avons besoin de manger, de nous nourrir. Et cette terre sur laquelle on est là, à l'heure d'aujourd'hui, nous donne tout ça. Donc faisons en sorte de prendre soin d'elle. Domistagar, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être là et merci de me laisser cette chance de m'exprimer. Merci.